Je veux te dire ce matin que les droits qui t'ont été volés te sont remis pendant que tu te trouves là, debout, maintenant. Je ne parle pas au futur, je parle au présent. Je ne conjugue pas au futur, je conjugue au présent. Quelqu'un récupère dans l'instant T ce qui a été volé à ses parents, ce qui a été volé à son père, ce qui a été volé à sa mère, ce qui lui a été volé. Par la nourriture, Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Et il n'avait aucune possibilité de retrouver cela. Ce qui a été vendu par la nourriture peut être corrigé que par la nourriture. C'est pourquoi je décrète et déclare que tu retrouves ce que le règne des ténèbres t'a pris. Retrouve ton droit d'aînesse. Retrouve l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta destinée. Retrouve ce qui est à toi et qui reste et qui restera à toi. Ton héritage ne sera pas attribué à des étrangers. Ton héritage passera pas la porte de la maison pour aller ailleurs. Ton héritage ne se retrouvera pas en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine. Je décrète et déclare au nom de Jésus que ce qui est à toi te revienne. Tu reçois la grâce qui va avec. Même si ton sang ne pouvait pas contenir cette dimension de grâce. Ce qui ne peut pas tomber sur Jacob tombe sur Israël. Ce qui ne peut pas tomber sur toi tombe sur le sang de Jésus que tu as consommé. Tu ne passeras pas à côté cette année. Tu ne rateras rien cette année. C'est l'année de ta grande victoire. Victoire dans toutes tes batailles. Victoire dans tous tes combats. Victoire et victoire et victoire. Partout où il doit avoir un résultat, je déclare victoire sur ta vie et victoire dans ta vie.